Bon bah bonjour Romain. Enchanté. Dis-moi, ça fait maintenant 2 jours que nous sommes ensemble. Pour toi, pas mal de premières dans ces 2 derniers jours. Que première des rallye. Exactement. Première conduite de la Puma ST. Est-ce que tu peux me donner un peu tes premières impressions sur l'un, sur l'autre, l'ambiance aussi, le col du Turini hier soir? Fabuleux. Enfin, c'est une ambiance de passionnés, de gens qui parlent mécanique toute la journée et de nouvelles technologies. Et moi, c'est ça qui m'a fait halluciner, c'est de dire, j'arrive au rallye. Pour moi, le rallye, c'est vraiment les puristes qui sont là encore avec les pommeaux de vitesse. Tu vois, vraiment, c'était une première. Non, pas du tout. Non. Maintenant, c'est des rallyes hybrides. C'est complètement dingue le couple qu'ils ont à la reprise. Il y a de la régénération d'énergie au freinage et à la décélération. Enfin, honnêtement, moi, ça tout m'a fait halluciner dans ce séjour. Et cette Puma ST, j'avoue que quand on la regarde comme ça, on se dit, ah, c'est la voiture que pourraient avoir mes parents. Je sais pas si on peut l'entendre, mais attends, je vais le remettre en deuxième, t'es à 70. On entend bien. Il y a le sourire. Il y a le sourire que ça procure. Non mais c'est dingue. Et la double déflagration à l'échappement quand tu changes la vitesse. Ah moi j'ai halluciné quoi. Vraiment, j'ai halluciné. Donc super séjour, vraiment. Merci pour les découvertes. Bon, puis hier donc t'as fait des rencontres sympas aussi. Sébastien Love. C'était dingue et puis Adrien. Le jeune prodige Adrien qui nous a expliqué aussi en vidéo son parcours complètement dingue. Et quand tu arrives au col du Turini et que tu vois ces énormes pierres, ce terrain complètement à moitié gelé, c'est fou de te dire que les gars passent là. Après, même pas, je crois, ils ont même pas eu de session de reconnaissance. Oui, tout à fait, ils ont fait deux passages seulement de reconnaissance, puisqu'évidemment tout ça est très réglementé aujourd'hui. Parce que je suis un gros fan de Formule 1. Ouais. Et en Formule 1, c'est des premiers les pilotes à dire oui, on n'a pas assez d'essais hivernaux, non, c'est pas assez. Ils connaissent la piste par cœur, ils font du simulateur toute la journée. Là, tu vois des pilotes de rallye qui découvrent la piste à chaque fois, parce que dépendant des conditions climatiques, c'est jamais la même piste. Absolument. Quoi. C'est incroyable. Ouais, puis alors hier au Turini, t'as vu, ambiance, c'est quand même une des spéciales mythiques du Monte Carlo. Ouais. Je dois dire qu'il faisait quand même un froid oui. Hallucinant et on s'est mes bien fait enfumer aussi. Voilà, c'est ça. Mais c'était dingue. Et puis j'ai pu prendre des super photos aussi. Je me suis éclaté pour la première fois à tester les photos au milieu de la fumée. Une foule en délire, de la musique qui n'arrêtait pas, vraiment. On était entre un nouvel an et le rallye. Moi, c'est l'impression que ça m'a fait. C'était vraiment ça le niveau ambiance. Bon, bah écoute, super. Il reste encore 2 jours. Tu as jusqu'à dimanche là. Exact. Pour suivre ça, écoute, je te souhaite de bien t'amuser avec la Puma ST et puis prendre ton pied avec ce rallye. Tout le meilleur à la team M-Sport avec ses nouvelles Ford hybrides. Et puis ça a bien commencé hier, Sébastien était deuxième au général, donc on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Je suis impatient de suivre ça en tout cas ce week-end. Très bien, salut Romain, à bientôt. Salut.